la vraie joie qu'il a eue d'avoir été avec vous ce soir. Pour terminer, préciser un détail qui est son importance, c'est que la chorégraphie et les cascades de ce spectacle sont de Guy Bedos, qui est mon copain. Voilà, je vais vous le dire. D'une heure. Il y a quelque temps, à Pyongyang, leur capitale, ils ont célébré le 40e anniversaire du régime incarné par le président Kim Il-sung. Et ce fut aussi une manifestation de culte de la personnalité à peine croyable. Ils ont été plus d'un million, embrigadés, marchant au pas, à participer aux cérémonies qui se sont déroulées sur la place Kim Il-sung et au stade Kim Il-sung, à la gloire du président Kim Il-sung, et en présence, bien sûr, du président Kim Il-sung. Un spectacle exceptionnel de rigueur et d'organisation, mais qui, derrière les sourires, fait quand même froid dans le dos. En tête du cortège, imposant de rigueur, d'organisation, les drapeaux de la République, étoiles jaunes, sur fond rouge et bleu, viennent ensuite de multiples détachements de travailleurs, de jeunes, marchant au pas cadencé. Heureux, les commentateurs de la radio volubiles et dithyrambiques. La Corée du Nord n'aura pas eu le plaisir d'accueillir les Jeux Olympiques. Elle peut en revanche faire défiler ses bataillons de travailleurs organisés. Pas une faille dans le parcours. Pendant de longs mois, les Nord-Coréens ont eu l'occasion de répéter afin que tout soit parfait en ce jour anniversaire où de multiples chars fleuris semblent flotter au milieu de la marée humaine. Aux yeux des autorités, c'est un hymne à la gloire du président Kim Il-sung. Tout y passe. Travailleurs organisés, jeunes embrigadés, anciens combattants de la lutte anti-japonaise, tout le monde est là pour symboliser, visualiser l'unification future de la Corée et l'œuvre majeure du président dont le portrait omniprésent s'étale un peu partout. Deuxième partie de la cérémonie, l'après-midi au stade qui s'appelle bien sûr Kim Il-sung. 100 000 spectateurs, 50 000 jeunes écoliers pour un spectacle ahurissant à base de tableaux vivants. Là encore, pas le moindre faux pas, organisation parfaite,
même les sourires semblent tout à fait synchronisés.